Elle illumine le quotidien de plein de patients. Venez participer à nos activités, même ponctuellement. C'est toujours des moments de partage très appréciés par tout le monde. Donc hello, donc ici nous sommes au cœur du campus santé de l'Université de Rennes, campus au syndical et domicilié notre association Animostop, dont la mission principale est d'animer les services hospitaliers et EHPAD de la ville de Rennes et qui se compose d'étudiants en santé. Donc Clotilde, présidente d'Animostop. Hello, du coup moi c'est Pénélope et je gère la communication au sein d'Animostop. Donc moi c'est Juliette, dans l'association je gère la trésorerie. Bonjour, du coup moi c'est Cyrielle et je m'occupe de l'événementiel dans l'association Animostop. L'association elle repose surtout sur des bénévoles, donc ce sont des étudiants en santé, ils peuvent participer toutes les semaines à différentes activités, donc on a plusieurs pôles. Et dans chaque pôle, en fait, on peut s'inscrire à des activités assez ponctuelles. Chaque année, on a des événements qui se répètent. Donc, par exemple, en décembre, on va dans le service de MPRE. On s'occupe de faire une chasse au trésor pour les enfants qui sont hospitalisés là-bas. Tous les ans, on a également l'hôpital des nounours. Et donc, du coup, c'est un hôpital factice pour les doudous des enfants qui sont en grande section, qui vont venir soigner leurs doudous. Et le but, c'est vraiment de faire diminuer tout ce qui est effet blouse blanche et peur du médecin. Et on a également d'autres événements. Cette année, on a eu la Chandeleur en février, donc un petit concert autour de crêpes dans un EHPAD. Et on a également le projet écriture qui a été initié avec deux EHPAD de Rennes. Le but, c'est de créer une chanson avec les personnes âgées, de travailler sur tout le côté diction et chant avec eux. En communication avec tous les BDE de Rennes qui sont concernés. Mais majoritairement, nos bénévoles peuvent s'inscrire en passant par tous nos réseaux sociaux. Je dirais partage parce qu'on passe toujours de bons moments, que ce soit entre bénévoles, avec les membres du bureau, mais surtout avec les patients et les enfants des résidences de santé. Moi, je dirais solidaire parce qu'en fait, on est amené beaucoup à travailler entre différentes filières et vraiment à se serrer les coudes. Intergénérationnel parce que on peut aller au contact d'enfants, de personnes âgées. Moi je dirais humain tout simplement parce que c'est des valeurs qui sont au cœur de nos missions en tant que métier du soin. Donc notre association a contribué à Vie étudiante et elle permet de rencontrer plein d'étudiants de santé en dehors un peu du cadre scolaire ou des autres événements organisés par les BDE. Pour Animosto, il y a de réels défis au niveau de la communication parce que, comme on a dit avant, on touche énormément de BDE différents et donc chaque BDE a son fonctionnement. Et c'est difficile pour nous de faire une communication assez homogène pour tout le monde et que tout le monde ait toutes les informations pour les inscriptions qui sont en fait assez hebdomadaires pour certaines activités ou pour les gros événements. À l'avenir, nos défis en tant qu'association, c'est d'assurer notre pérennité au sein du maillage associatif de l'université, mais aussi d'ouvrir nos objectifs en fait à beaucoup plus d'étudiants et de favoriser notre ancrage au sein de ce territoire universitaire. Donc notre association, elle marche grâce à toutes nos petites mains de bénévoles. Elle illumine le quotidien de plein de patients. Et si vous avez envie de dessiner des sourires sur les visages ou alors de mener des actions qui sont profondément humaines et sociales, venez participer à nos activités, même ponctuellement. C'est toujours des moments de partage très appréciés par tout le monde.